J'espère que ça va faire. Bon, si ça l'a pas fait, je vous redis encore une fois. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Alors, parce que je suis pas sûre que ça a fait la pause avec les deux. Ouais. Si ça a fait la pause, ben, tant pis si tu recommences. Donc, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, en tout cas, moi ça va. Alors, déjà, je vais vous présenter des livres et aller dans ce test du oui pour en faire plus de vidéos. Ou j'en ferai pareil parce que je suis beaucoup dans les bonnes notes en ce moment et je me concentre beaucoup et je lis beaucoup. C'est la raison de. Cette vidéo et donc voilà et donc ou ça sera comme ça les vidéos ou un peu plus ouais. Alors déjà je vous ai dit dans avant mais je suis pas sûre d'avoir de l'avoir fait la pause donc voilà donc c'est un livre que j'ai lu aujourd'hui Lady Happy apparemment toutes mes copines qui ne sont pas dans l'école vu qu'on n'est que trois à l'avoir eu parce que d'habitude les livres que j'achète ils sont à 35 euros ou dans 40 un truc comme ça et dans celui-là 85 parce qu'il est d'un grand artiste. Voilà. Et donc, il est arrivé le 3 septembre. Il est sorti le 3 septembre. On a pu l'acheter. Moi, j'ai pu l'acheter. Enfin, moi, il y en a certaines, ils ont pu la, ou certains, ils ont pu l'acheter dès la sortie du livre. Et moi, j'ai pu l'acheter comme un nom. Donc, Lady Happy. Alors, il faut dire que moi, j'achète beaucoup de livres avec image. Mais maintenant que je suis grande, j'en achète ceux qui sont. Sans image, il est très long. Il est de 300 pages. Voilà. Enfin, plus clairement, il est de 236, mais on peut dire que c'est 300 pages. Voilà. C'est Lady Happy, je vous lirai un peu le début. Donc, les autres, certains, c'est des codes de l'année dernière et certains, c'est ceux que j'ai recommandés. Enfin, ceux que j'ai commandés ou ceux que. Ceux que. J'ai voulu. Ou ceux que j'ai pris. De l'ancien temps, donc de mes parents, enfin de mon père plus précisément. Bon bref, alors là je vais vous montrer. Alors mon petit frère est un extraterrestre, Gudule. Alors en fait c'est un livre comme ça, donc ça Aliénor tu le connais, tu l'as sûrement lu. Alors c'est un petit livre de 50. 61 pages, donc il n'y en a vraiment pas beaucoup. 54 plutôt, allez. Ou 61, ou 64, ou 54, ou 64. Voilà. Alors, c'est un livre alors qui fait enfant comme petit, parce qu'il y a des images, mais en noir et blanc. Et il y a des... Enfin, voilà quoi. Donc, c'est un livre... Très très passionnant, je vais vous lire un peu le titre intitulé. Alors, mon petit frère est un extraterrestre. Alors, je suis en remets, hein. Voilà. Alors, mon petit frère est un extraterrestre. Floppy Flop, c'est un extraterrestre que mon papa cosmonaute a ramené d'une planète lointaine. Il était seul au monde et avait besoin d'une famille. On lui a offert la nôtre. Je ne sais pas si tous les extraterrestres sont des... Cancre. Alors, si vous ne savez pas qu'est-ce que ça veut dire cancre, marquez-le moi dans les commentaires. Mais Floppy Flop, en tout cas, est un cancre extraterrestre avec des pouvoirs extraordinaires. Donc, il est très bien, ce livre. Moi, j'ai adoré le lire, en tout cas. Bon, j'aurais préféré qu'il soit comme ça. Que comme ça. Ça aurait été encore plus passionnant. C'est comme ça. Encore une fois, j'espère que la vidéo s'est remise avec l'autre. Et désolé si j'ai refait... vous comprenez rien là. Mais désolé si j'ai refait du coup la vidéo avant. Parce que si j'ai refait là, si vous voyez l'autre, c'est juste parce que je suis pas sûre d'avoir bien fait là. Voilà. Alors, sinon, ben voilà. C'est un livre très bien. Voilà, je vous le recommande, vous pouvez l'acheter dans les grands magasins parce qu'encore une fois, pratiquement tous mes livres sont avec de très grands, écriteurs. Enfin, ceux qui écrivent les livres, je ne sais plus comment on dit. Alors, j'ai la suite de Mon petit frère est un extraterrestre. Mon petit frère est un extraterrestre, c'est le 2. Voilà, donc ça c'était le 1. C'est le 1. Et ça, c'est le 2. Alors, le 2, c'est
Gudule, mon petit frère est un extraterrestre de Floppy Shop, Floppy. J'arrive plus à le dire, hein. Floppy Flop et le chat. Miaou! Voilà. Alors, pareil, je pense que c'est pareil. Ouais, il y en a un peu plus là, 57. Il y en a 61 ou 62. Alors, je vais vous lire le petit intitulé. Dudule, mon petit frère est un extraterrestre, Floppy Flop et le chat. 2. Floppy Flop, c'est un extraterrestre que mon papa cosmonaute a ramené d'une planète lointaine. Bon, c'est un peu le même truc, hein. Il était seul au monde et avait besoin d'une famille et on lui a offerte la nôtre. Seulement voilà. Avec ses pouvoirs extraordinaires, Floppy Flop a décidé de défendre le chaton de la voisine, d'une curieuse façon. Donc, je vous dis pas que... Bon, de toute façon, il n'y a pas écrit plus. Parce qu'après, souvent, on lit d'abord ça. Enfin, en tout cas, à notre école. S'ils disent plus, bon, on va savoir qu'est-ce qui se passe dans l'histoire. En tout cas, je vous dis, les deux sont les plus passionnants. Et enfin, si vous me demandez lequel est mon préféré... Il faut dire que j'ai adoré le premier, donc je dirais peut-être le premier. Mais il est super aussi le deux. Enfin, il n'y a pas vraiment de prise. Alors, celui-là, je vais vous montrer maintenant. C'est un livre. Oh, pardon, je me suis fait bouger. C'est un livre très ancien. Donc, t'as vraiment personne là. Enfin, personne. À part si les parents vous l'ont donné. En tout cas, de mon époque, ça existe. Ils ne le vendent plus, on va dire. Car c'est un de mon papa qui a 56, donc ça revient aux années. Ouh, voilà. Et c'est. Robinson Crusoe! Alors j'adore ce livre. Alors Robinson Crusoe, donc c'est aussi un grand écrivain qui l'a écrit. Voilà. Alors là, il n'y a pas de s'intitule comme là. Ça, c'est un s'intitule. Ben là, il n'y est pas. Encore heureux. Donc voilà, parce qu'avant, ça n'existait pas les s'intitules. Donc voilà, c'est un livre hyper passionnant. Bon, évidemment, c'est à mon papa qui s'appelle Antoine. Et donc là, il a écrit son famille, notre famille, que je ne vais pas dire. Et toi, tu ne le dis pas en commentaire, Aliénor, ça me ferait plaisir. Chut, tu le dis pas, s'il te plaît, hein, ne le dis pas en commentaire. Mon famille. Alors voilà, c'est Antoine, donc avec le nom de famille. Alors voilà, regardez comment elles sont les pages. Alors j'adore les grands livres. Bon, il y a, c'est ce qui me dérange, c'est que il y a des petites images là, et j'aime pas trop quand. Enfin, j'aime bien quand il y a les images, hein. Je préfère quand c'est vide comme ça. C'est plus un peu plus. Et Robinson Crusoe, je vais dire que c'est un livre que j'apprécie beaucoup. Je l'ai dit en 3 mois, parce qu'il est très long. Et en 3 mois, il faut dire que j'ai apprécié beaucoup. J'ai beaucoup apprécié. Je vous dis, si vous le voulez, vous ne pourrez pas l'avoir. Mais demandez à vos parents, ils l'ont sûrement. Si c'était comme moi, comme mon papa, c'est quelqu'un qui lisait beaucoup, enfin, pas vraiment quelqu'un qui lisait beaucoup, quelqu'un qui était sérieux à l'école. Donc, la plupart des gens sérieux à l'école, ils réussissent donc, ils aiment lire, évidemment, ils aiment toutes les matières. Enfin, pas toutes, mais voilà. La plupart des gens sérieux, ils aiment lire. Et mon papa est un monsieur très sérieux à l'école. Hein. Donc, voilà, un peu comme moi. Et donc, voilà. Alors, voilà. Alors, ce livre, il faut vraiment aimer lire parce qu'il est très, très, très long. Alors, j'ai mis, quand je dis, en plus, je lis vite. Hein. Donc, non, quand j'ai été doucement quand je faisais ça. Là, il y en a. Ah non, il n'est pas si long que ça, vous savez. Non, non, j'ai dû. Vous savez pourquoi j'ai dit en plus de ça. Il a 180. 185 pages. Mais pourquoi je l'ai lu en plus de temps que l'autre, le gros? Parce que, pas lui, hein, pas celui-là, là. Pas Lady Arrivée, hein, celui-là je vous avais dit, là. Bon, bref. Pourquoi je le lis en plus de temps? Parce qu'il y a plus de trucs. Sans doute que les autres, ils doivent en avoir comme... On voit vraiment que c'est de l'époque, parce que... Attendez.
On voit vraiment de cette époque parce que les trucs maintenant de nous. Enfin, les trucs maintenant de chez nous, et ben en fait, ils sont comme ça. Vous pouvez le voir. On voit pas. Voilà. Regardez. Attendez. Ils sont comme ça. Et on voit bien que c'est d'époque parce que. Regardez. On voit bien les ficelles là. Et elles étaient blanches parce qu'ils n'avaient pas trop de quoi faire à l'époque. Plus trop là. Donc voilà. Et j'en prendrai toujours soin de ce livre. Donc il est super. Hein. Je vous le recommande si vos parents étaient des fans de livres ou de lecture. Même s'ils n'aiment pas trop les Odyssey, mais ce n'étaient pas des fans. Ben, j'espère pour vous qu'ils liseront. C'est un livre génial, je vous le dis. Alors, je cherchais d'autres livres. En attendant, je vous laisse en pause. J'essaierai peut-être de mettre quelque chose en de la musique en attendant. Allez, c'est parti, je vous laisse en pause. Je suis de retour, désolée pour la compte, je ne peux pas mettre en pause, j'ai peur que ça s'arrête. Pour tenir un peu le temps, ça marche pas. Désolée hein, pour le tomber. Alors, je vais vous apporter un livre d'abord, mais un livre de. D'abord un livre de compte et ensuite un livre sur natation. Pratiquement tout gros, mais. Bon, désolé, vous ne verrez pas trop la table parce que j'arrive pas à le placer. J'arrive pas trop à le placer comme je veux. Bon, on va dire que comme ça, c'est bien. Alors, j'ai un livre de compte de Anderson. Alors, Anderson, c'est un grand écrivain. Et ce livre, c'est mon préféré dans tous mes livres. Enfin, il est. Premier du classement et ensuite il y a ma passion. Deuxième. Voilà, pour l'instant, parce que j'ai pas encore dit. Voilà. Et c'est. Les contes. Alors, ce livre, il est génial. Il est super, quoi. Il y a plus de. Alors, je vais vous lire le petit truc après. Il y a plus de. Ah, il n'y a pas écrit les pages. Ah, si. Il y a plus de. Pages. Alors vous allez dire, c'est pas, il n'y en a pas beaucoup, mais quand vous lisez ça, chaque truc, c'est énorme quand même. Il y a de très beaux contes. Voilà. Après, peut-être que je vous en lirai un petit parce que j'ai pas trop le temps là. Voilà. Et donc là, je vais vous lire le petit truc. Alors, l'intrépide soldat de plomb, les habits neufs du grand-duc, la bergère et le ramoneur, la princesse sur un poids, la petite poussette, la petite sirène, le vilain petit canard, les cygnes sauvages, le rossignol. Neuf contes classiques et intemporels pour faire rêver. Pardon, la jolie balle. Frissonner et s'émerveiller les enfants. Neuf contes sublimés par la délicatesse, le charme. Alors là, je l'ai mal, mais d'habitude, j'ai mieux. Hein. Et le mystère des illustrations de Claire Degan. Alors, rassurez-vous, il n'y a pas neuf contes. Hein. Il y a neuf contes classiques et temporels. Il y a neuf contes aussi. Ouais, neuf contes. Voilà, il y a neuf qui sont sublimés par la délicatesse, le charme, et le mystère et l'illustrateur de Claire Degan. Et donc, il y a neuf contes classiques et temporels pour faire rêver. Alors ça, c'est en fait, il y a neuf contes très populaires que pratiquement personne n'a, à part dans ce livre. C'est un livre super bien. Il faut dire que c'est un livre très populaire, hein, celui-là.
Voilà. Après, il y a même, y en a certains que vous connaissez sûrement. Alors, pour l'instant, je vous mets le livre devant. C'est Le vilain petit canard. Alors, vous allez sûrement vous dire, Le vilain petit canard, celui-là qui est né, là, pas dans la bonne famille, vous allez vous dire ça. Eh ben non, c'est le caneton. En fait, c'est avec un chat, un oiseau et le canard. Donc, non, c'est pas du tout le même. Le vilain petit canard, en fait, il y en a plusieurs. Voilà. Donc voilà, ça c'est un livre que j'ai apprécié beaucoup aussi. Et donc là, c'est mon deuxième préféré. C'est mon père. C'est mon deuxième préféré. C'est Ma passion. Et donc voilà, il y a tout ça. Et donc, je vais juste regarder combien il y en a des pages. Et je vous dis beaucoup. Hein. Ouh là 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 là. J'ai pas vu ça. Y en a 300 pages. Y a trois, enfin 299 plus précisément, mais si on compte une page avec un petit dessin, et bien ça fait 300. J'ai réussi à le lire en entier parce que c'est mon passion. Alors, vous allez découvrir qu'est-ce que c'est. Je vous casse le titre. Vous pouvez deviner un peu avec ça. Ou non. Et, tada! Et un, deux, trois. Voilà. C'est Émilie Guillet, donc une grande écrivaine. Le petit Larousse du cheval et du poney. Connaître, comprendre, soigner, monter. Alors, tout ce que j'adore, quoi. Alors, je vais vous mettre comme ça un peu et je vous. Voilà. Là, alors. Alors, je vais vous montrer des images. J'ai depuis 4 ans. Presque 4 ans et il est intact, hein. Tandis qu'il y a certains, ils l'ont depuis 2 ans, un truc comme ça, le livre, il est pété en deux. Faut le dire, hein. Donc, prenez soin de vos livres tout le temps, tout le temps, tout le temps. Soyez quelqu'un de propre. Voilà. Donc, voilà. Moi, ça fait bientôt 5 ans que je l'ai. Aussi plus Voilà. d'efforts de demain, tu vas pas là-bas avec Non, maman. non, mais je suis... Non, non, je vais pas demain. Hein, tu vas nous recommencer à quitter Ségolène, hein. Ouais, c'est rien. Voilà. C'est un livre très populaire. Alors, je vais vous montrer par exemple une photo sur. Alors, je vais vous montrer les premières images. Alors, déjà, il y a les premières images, c'est ça. C'est avec des photos. Je ne sais pas si vous l'avez. Je ne vais pas vous montrer longtemps parce que je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. Ma matière préférée, en fait. Alors, attendez, je cherche. Je cherche ma matière préférée. Elle est par là, mais je sais plus où elle est. Je sais plus exactement où elle est. Ah, voilà, c'est par là. Enfin, c'est pas ma matière préférée, mais c'est. Par exemple, il y a ça. Comment. Alors, je vais vous montrer les images un peu. 185. Alors, il y a une image comme ça où on monte. Elle lui fait la jambe. Ah merde, je vais pas mourir. Voilà. Je vous fais beaucoup tomber quand même. Ensuite, deuxième image. C'est là, c'est une jeune qui tombe. Voilà, elle est là. Elle est. Que le cheval a dû s'arrêter un peu comme moi avec Princesse, mais à part que c'était en son nom. Voilà. Et la troisième image, c'est une petite fille de
de 5 à 6 ans, de 4 à 3 ans, hein, non, même pas 3 ans, même pas. Peut-être de 4 à 5 ans jusqu'à 6 ans, pas, peut-être 7 ans, pas plus que 7 ans, quoi. Donc, qui fait de la. Comment ça va dire de, qui fait de la. De l'équitation, de la voltige. Donc, elle est, le cheval est au pas ou au stop et elle est debout. Voilà. Donc voilà, on va faire comme ça. Aïe. Elle est là. Juste là. Voilà, elle est debout sur son poney. Voilà. Oula, oula. Attends, j'ai une idée, je vais mettre une clé pour le poney. Donc voilà, ensuite il y a ça aussi. Attends, je regarde si j'ai rien marqué. Il y a ça aussi qui est très intéressant, c'est en selle, quand on monte en selle. Voilà, non pas longtemps, mais voilà. Ah, mon truc préféré, c'est sauter en confiance. Bon, c'est sauter, hein, et en confiance. Alors, il y a plusieurs sortes d'obstacles. Donc, il y a. En sorte d'obstacle, il y a. Il y a. Donc, un obstacle classique qui est le croisillon. Il y a un croisillon. Il y a les murs. Il y a les obstacles en vertical. Les verticales. Les auxerres que j'ai fait. Et les snaps. Alors, les snaps, c'est. Des trucs où t'as un obstacle et ça monte. En fait, ça va comme ça, sur le côté. Tac, tac, tac. Et t'as jusqu'à 4 barres. Mais là, c'est. Voilà, je vais vous montrer donc le snap. Parce que vous n'avez pas l'air de trop. Enfin, vous n'avez pas l'air. C'est ça. Là, c'est l'auxerre. Là, le vertical. Le mur et le croisillon. Et donc là, il y a des photos quand ils sautent. Ça commence là. Ah non, ça commence là. Puis là. Puis là. Puis là, puis là, puis là. Voilà. Et il y a aussi une photo d'un pro là-haut. Ouais. Il y a une autre photo là. Il y a une personne qui fait du saut, une personne qui fait du tarata, une personne qui fait des balades et une personne qui fait un concours de vitesse. Alors, le saut, parce que c'est mon préféré, il est là. De dressage, de vitesse, de balade et c'est tout. Voilà. Là, il y a encore un truc de saut. Voilà. Ça monte juste comme ça. Voilà. Il est super passionnant. Là aussi. Dressage et saut. Après, il y a plein de photos. Ah, alors là, il y a. Il y a donc des trucs, mais super gros. Hein, vous faites pas ça à votre âge. Hein, à votre âge. Hein. C'est des sauts de champion. Regardez. C'est genre comme Penelope. Hein. Comme Penelope Cruz. Vous connaissez. Voilà quoi. Hein. C'est passé un autre âge. Hein. Ouais. Mmh.
Il y a là des seaux. Moi aussi un peu de champignons. Hein. Voilà. Il y a du seau et beaucoup de dressage aussi. Hein. Il y a beaucoup de seau aussi. Hein. Beaucoup de voltige. Il y a des trucs de combattants là, ça y est, avec le taureau là. Le truc de dressage là où on le dresse. Ouais. Il y a vraiment des trucs passionnants, hein. De course, comment on met le filet, quand on photo, enfin voilà. Tic. Alors, là je vais vous montrer que mes gros livres, il y en a encore beaucoup. Il y en a aussi que je regarde parfois, alors je ne regarde pas beaucoup hein, lui. C'est de chasse, donc c'est plus pour tu sais qui. Le nom commence par G-O. Ouais. C'est juste, c'est surtout pour lui, mais moi je le regarde juste comme ça. Parfois je l'ai. Alors, on l'a acheté parce qu'on fait de la chasse, papa. Et voilà. Et on l'a acheté, on regarde des petits trucs dessus, surtout lui. Et donc, c'est oscillopédie pratique chasse. Je vais vous le montrer, tiens. Un peu. Il est gros, un peu plus gros que celui-là pour mon cheval. Ou pareil, un peu plus. Voilà. Ah, je vais vous mettre la vidéo de moi en train de sauter. Enfin, de tomber. Non, non, je vais pas vous la mettre, non. Voilà, donc il y a beaucoup de pages. Je vais regarder combien il y en a. J'espère que c'est marqué. Ouh, il n'y en a pas beaucoup, hein. Donc il y en a beaucoup, mais... Ah si, quand même. 300... 308, il y en a. 309, même 310. Donc il y a des trucs de chasse, hein. Voilà, c'est un truc de chasse. Donc voilà. Et j'ai aussi des trucs comme ça. Bon, ça va pas vraiment vous intéresser. C'est le Bible. C'est le Bible de Jérusalem. Ça, je pense pas que ça vous intéressera tant, mais. C'est un livre de plus de... Oula, vous allez me dire, c'est pas possible. Hein. C'est mon plus grand livre. Il a... 2559 pages. Eh ouais. Et j'adore les pages parce qu'elles sont toutes fines, du coup. Ça passe comme du diamant. Ouais. Bon, après, c'est pas vraiment pour enfants. Hein. Faut le dire. Est-ce que regardez, c'est un livre comme ça. Je vais vous montrer la couverture. Alors, la couverture se présente. Comme ceci. J'aime beaucoup le livre. Je ne l'ai pas encore terminé et ça fait bientôt un an que je l'ai. Bientôt un an. Oui, c'est vrai, bientôt un an. Je le finis. Et j'en suis à la page. Je vais chercher le petit truc là. À cette page. J'en suis à la. C'est la numéro 2383 et c'est ça, à 2550. Là, j'en suis à 2383 et ça se finit à 2559. J'ai encore le temps. Ouais, il me reste encore ça. Voilà. Donc voilà, j'enlève au même sens. Maintenant, je sais où j'en suis. Donc voilà. Ça c'était tous les livres. Voilà. Les livres. Voilà. Après j'ai des livres quand j'étais petite.
est-ce que le... j'ai mis encore pas les lire pour voir un peu. C'est des livres de Juliette. Juliette fait du vélo. Juliette dort chez sa copine. Juliette joue dans son jardin. Juliette est la galette des rois. Juliette fête Noël. En fait, j'ai la petite collection. Enfin, j'ai pas la collection. Et j'en ai 5. Alors, Juliette fête Noël. Donc, c'est très bon comme ça. C'est vraiment des petites histoires. Je vais vous la lire. Tiens, Juliette, j'aime bien Juliette. Alors. Oh, maman! Toutes ces fenêtres à ouvrir jusqu'à Noël. Que c'est long, dit Juliette devant son calendrier de l'Avent. As-tu fait ta liste au Père Noël? Oui, au téléphone, avec papa. Mais je pourrais lui faire une belle lettre avec des dessins. Pour pas qu'il se trompe. Et je vous montre la petite démarche. Et il y a celle-là aussi. Ensuite. Chez mamie, il y a une jolie couronne accrochée à la porte d'entrée et, dans sa cuisine, elle cuit de très bons sablés. Mamie, dit Juliette, tu sais que le Père Noël va bientôt passer nous voir? Moi, petit Pierre et Noémie, youpi! Voilà. Et voilà. C'est bon les sablés. Voilà. Aujourd'hui, on installe la crèche. Juliette adore froisser le papier crochet et sortir les personnages de la boîte. Elle dispose de bœuf et l'âne et bien près du petit Jésus pour pas qu'il ait froid. Maman, c'est qui? Les trois rois. Maman, c'est qui? Les trois rois? Elle pose la question. Ah merde. Oh merde, c'est pas bon. Je l'ai peut-être histoire. Papa a choisi un beau sapin au magasin. Qu'il sent bon. Maman décore les branches en haut et Juliette celle du bas. Alors, cette petite botte, je l'accroche ici et ce joli tambour là. Au Père Noël, ça lui plaira. Mais quand est-ce qu'il vient? Voilà, le beau sapin. Et... Ça y est, Noël, c'est ce soir. Papy, mamie, Eric, Sylvie et la cousine Noémie sont déjà là. Il faut encore manger, puis chanter petit papa Noël autour du sapin illuminé. Les lumières sont éteintes et tout. Et tout à coup, il apparaît, entouré de cadeaux. Bonsoir les enfants, avez-vous été sages? Juliette bredouille. Moi oui, comme une image. Le Père Noël est reparti. Juliette et sa cousine sont toutes excitées. On peut enfin ouvrir les cadeaux. On tire sur les rubans, on déchire le papier. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Pour Pierre, un plus gros cadeau que moi, papy?
Il est super chouette, le cheval à bascule du petit frère. Noé dit qu'elle veut aussi en faire. Mais non, toi t'as eu une table allongée. Alors il faut que tu changes ma poupée. Elle a fait pipi par terre. Et la dernière page. Juliette et Noémie ont beaucoup joué et piétiné les papiers froissés. Bébé Pierre est couché. Les cousines sont fatiguées. Par où le Père Noël a-t-il bien pu entrer? Se demande Juliette. Heureusement de s'endormir avec sa belle poupée. Bon, voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous montrerai après les autres livres. Bon, voilà, bisous à tous.